pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Cette femme a 60 ans mais elle ressemble à 30 grâce à ce masque. Résultat de la première utilisation. La peau de notre visage est la peau la plus délicate de notre corps entier, c'est pourquoi nous devons faire très attention avec elle. Une raison à cela est que vous devez utiliser des savons et des crèmes pour nous aider à garder hydraté et en bon état, ainsi éviter la détérioration chronique. Ensuite, pour prendre soin de notre peau, nous pouvons trouver des milliers de produits qui peuvent être achetés dans les cosmétiques magasins. Cependant, ces produits peuvent être un peu chers et ne pas fournir les réponses que notre corps a besoin. Voilà pourquoi il est préférable d'utiliser un traitement naturel, puisque ceux-ci sont très bons pour la peau, car ils contiennent des produits chimiques qui peuvent causer des dommages à cette alternative. Mais l'avantage est réparation à 100%. Aujourd'hui, il existe de nombreux traitements très efficaces pour prendre soin de notre peau, en particulier celle de notre visage. Il existe des méthodes très spécialisées qui consistent en l'utilisation de machines et d'outils qui aident à éliminer les cellules mortes et à réparer les dommages causés par l'acné ou, pour les cicatrices et les blessures. Cependant, ce type de procédure peut être encore plus coûteux que n'importe quel autre moyen, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser une méthode efficace par nous-mêmes. Dans ce cas, nous allons vous apprendre un moyen de soigner et de soigner votre peau de la meilleure façon. Tout ce dont vous avez besoin est le suivant. Ingrédients. 3 aspirines. 3 cuillères à soupe de lait chaud. Une banane. Une cuillerée de miel. Mode de préparation. Mettez d'abord les aspirines en trempant pour qu'elles s'adoucissent, puis écrasez les aspirines et la banane jusqu'à ce qu'elles soient pulvérisées et forment une pâte. Mode d'utilisation. Lavez d'abord très bien votre visage. Puis appliquez le mélange en effectuant un doux massage circulaire. Laissez agir le masque pendant 10 minutes puis lavez votre visage abondamment à l'eau froide. Répétez ce traitement 2 ou 3 fois par semaine, dès que vous obtiendrez d'excellents résultats pour votre peau, que les rides et les taches disparaissent, votre peau sera mieux que jamais. Alors n'ayez pas peur d'utiliser cette recette et essayez-la, assurez-vous que dans un mois, vous pourrez profiter d'une peau plus jeune et plus belle. Partagez cette information avec vos amis et rendez la vie beaucoup plus facile, ils vous remercieront. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.